J'aime beaucoup ce point de vue avec une architecture moderne devant, le clocher, on a les montagnes au milieu de la ville, on est sur la terrasse d'un bâtiment. Non, c'est vrai que ça donne envie. Enfin, moi, je comprends la demande des habitants. Quand on est là, on a ce paysage devant nous et on a envie de le retrouver au quotidien encore plus. Enfin, ici, on a la topographie qui est très très présente. Les paysages sont façonnés par l'activité humaine, c'est certain, mais ils imposent aussi quand même certaines contraintes, et notamment les contraintes topographiques, que ce soit pour les voies de circulation, pour l'installation des quartiers, des équipements. Et là, à l'avant, on le ressent très très fort. En fait, on avait fait une petite analyse aussi de la structure urbaine de l'avant et paysagère, où on voyait bien qu'il y avait le grand S de la circulation principale qui faisait ses lacets pour arriver à franchir la côte, et puis plein de petits réseaux de cheminements piétons, de venelles, d'escaliers qui cousaient les différents quartiers entre eux. Donc les contraintes paysagères, évidemment, façonnent l'installation de l'homme.